Allez, c'est reparti, à mon avis, c'est l'avant-dernière session. Je vais aller directement à Démonia. On perd pas de temps. J'espère que c'est bien là-haut et à cette époque. Et ce sera pas la bonne époque. Ok. Les ruines magie. Non, c'est sûrement à cette époque. Il y a des drapeaux partout ici. Je peux l'activer. Oui! Mais bien sûr! Remarquable, tu as découvert le fragment de la nature. J'aimerais moi aussi pouvoir me retirer du temps comme les sylves. Cela doit être agréable de vivre pour toujours dans un présent éternel. Mais j'en ai pas le courage. Je dois accomplir mon destin au préalable. Viens me parler si tu cherches d'autres informations sur les fragments de la clé magique. Ouais, mais tu m'en diras pas plus sur Démonia. Je le sais. Est-ce que c'est cette époque? On va bien voir. On y va en volant. Il n'y a plus rien là. C'est pas à cette époque. Le débarquement. Le débarquement, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça signifie? Dalkin. Oh la vache, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vu ces personnages. Vous semblez surpris, colonel. Surpris? Rien ne m'étonne de votre part, Magus. Mais vous? Comment osez-vous? Voyons, colonel, s'il vous plaît. N'effrayez pas mes lieutenants, je vais avoir besoin d'eux. Vos lieutenants? Ce sont les lieutenants de l'Empire. Les temps changent, colonel. Voyez-vous, j'ai servi votre empereur pendant longtemps. Mais c'est terminé. Désormais, c'est à moi de monter sur le trône. Et j'ai décidé de créer mon empire ici même. Vous êtes fou! Vous n'avez que quelques dizaines de soldats. Dans quelques mois, à peine, l'empereur sera ici avec une armée, et vous ne pourrez pas lui résister. Ne vous faites pas de soucis pour moi, colonel. D'ici quelques mois, une fois que j'aurai terminé de conquérir Démonia et de liquider les derniers démons, j'aurai une armée capable de rivaliser avec celle de l'empereur. Comment? À chacun ses petits secrets, colonel. À présent, si vous voulez bien m'excuser, j'ai un continent à conquérir. Traître! Il a explosé le mec. Ok, est-ce qu'il va nous rejoindre? Je dois les arrêter. Il faut aider Dalkin. Mega Clank, nous devons faire vite. Démonia n'est pas encore tombé. Il me faut aider mon peuple. C'est parti. Vous vous êtes évadé du Colisée. Comment vous appelez-vous déjà? Ah oui, Mega Clank, c'est bien ça? Que faites-vous ici? Je vois. Forcément accompagné d'un prince de Démonia, où aller d'autre? Laissez-nous passer. Désolé, mais vous ne pouvez rien contre eux. Il vous faudrait une armée pour atteindre Démonia, mais même moi je suis impuissant pour l'instant. Il y a peut-être une solution. On pourrait s'allier à l'Empire. Comment? Jamais! Une alliance avec Démonia, impossible. Pourtant, ce serait la meilleure solution. Si on laisse faire Magus, le conflit va dégénérer. Les morts se compteront par des dizaines de milliers. En tout cas, c'est ce que j'ai appris à l'école. Il faut absolument qu'on arrête Magus avant qu'il n'atteigne Démonia. Et c'est seulement en unissant nos forces qu'on y parviendra avec le pouvoir de l'amitié. Il faut impérativement atteindre Démonia avant qu'il ne soit trop tard. Et si pour cela je dois m'allier à l'Empire, pour quelque temps du moins, alors qu'il en soit ainsi. Et toi, Dalkin? Dalkin,
C'est impossible. Je ne peux pas. J'ai des ordres. Nous sommes en guerre contre Démonia. Ah, si ça se trouve, c'est Magus qui a provoqué cette guerre, dans le but de s'emparer de Démonia et de se l'approprier. Et sachant ça, tu continues à suivre les ordres. Tu devrais savoir quand les enfreindre pour le bien de l'Empire. Je ne peux pas enfreindre les ordres. Sandy, je pense qu'il nous sera difficile de convaincre Dalkin. À mon époque, il est connu pour avoir mené l'armée qui a combattu Magus. Cette bataille a été terrible, une terrible boucherie qui a fait des milliers de morts dans les deux camps. C'est pour cela qu'on le surnomme Dalkin le Rouge. Après cette victoire, si on peut l'appeler ainsi, il a quitté l'armée. Il doit toujours être vivant à mon époque. Je me demande bien où il peut être. Nous devons le convaincre de nous laisser passer. Il me faut aider mon peuple. Mais pourquoi est-ce qu'il n'accepte pas notre aide? C'est le seul bon choix à faire. Je ne peux pas accepter votre alliance. J'ai des ordres. Il ne sera pas facile de... Nous ne pouvons pas baisser les bras. Je me demande ce qu'il est devenu à mon époque et la télévision... Merde, la télécommande! La télécommande! Deux secondes. On a perdu la télécommande. En plein milieu de l'histoire. C'est honteux. Je me demande ce qu'il est devenu à mon époque. Moi aussi. Eh bien, allons-y, allons-y. On va retourner à l'époque de Velvet, qui est le futur. Et on va trouver Dalkin, qui se trouve quelque part dans le jeu. Dans le futur, c'est par là, tu vois. Ici. Go le futur. Bon, maintenant, trouvons... Mais c'est pas le futur, ça. Mais enfin, on peut pas aller au futur, là? Mais si, encore un coup. Allez, encore un coup. Là, on est dans le futur. Bon. Genova. Non, pas Genova. Genova? Je sens que Dalkin est pas loin. Je sens qu'il est à, je sais pas où. À la brasserie? Il y a une taverne? La brasserie, qu'est-ce que je raconte? Il y a une taverne! Il n'y a pas une taverne avec un mec qui broie du noir? Non. Est-ce que vous avez vu Dalkin? Dalkin? C'est pas ici. Le jeu t'a dit dans un de ces innombrables dialogues de PNJ où il se trouve. Et c'était quand? C'était aujourd'hui ou la semaine dernière? Non, c'est pas ici. C'est pas ici. Tu es 100 ans après. Si tu veux le voir, ça sera plus... dans le présent. Mais elle a dit que c'est... Elle a pas dit que c'était à son époque. Là, c'est l'époque de Velvet.
c'était il y a quelques semaines. Ah ouais, mais là... Si c'était il y a quelques semaines, on n'est pas sorti du sable. Hein. On est parti pour 3 heures de recherche de ce connard dans tout le jeu. Ah, attends. Vol. Attends, on va aller voir Mamie Bibi. Là. On va prendre des potions. Puisqu'on peut en prendre qu'une seule à la fois. Ça, on va éviter de le faire vu qu'il faut garder de la mana. Alors, de la gelée. De la gelée. En fait, tu l'as vu dans le présent il y a quelques semaines. Ah bah, j'irai dans le présent. Acheter une potion. En fait, faut prendre des notes quand tu joues à ce jeu. On va avoir une bonne mémoire, mais là, mieux vaut prendre des notes. Merci Bibi. C'est juste, là je m'en souviens. J'avais acheté une maison à Genova. Oui. Oui. Bon. Là c'est plus cool. On va retourner au présent. Ah, je me souviens vaguement de ça. La maison que j'avais acheté. Je vais vous prendre la main. La maison. Juste. Oh là, il se passe quoi là? C'est la fin du monde! What? Vous avez vu cette explosion? C'est une catastrophe! Qu'est-ce qui se passe? C'est la panique totale. Au secours! Mais que fait l'empereur? Ça venait du laboratoire, non? Mais qui a bien pu faire une chose pareille? Terroriste. Ah, mais quelle panique! Il faudrait absolument que je raconte ça à mes amis plus tard. Mais qu'est-ce que je dois faire? Rester à mon poste ou m'enfuir très loin d'ici? Faisons un petit tour du village. On va aller là en dernier. Mon père s'est enfermé dans la maison. Il faut pourtant qu'on s'en aille loin d'ici. Comment je vais faire pour le faire sortir de là? Qui est mon père? Oh. Ah, qui est mon père? Oh, il était colonel dans l'armée de l'empereur. Mais je préfère pas en parler. Merde, qu'est-ce qu'il a dit? Une fois que les choses se seront calmées, c'est décidé, je vends cette vieille maison. J'ai la clé de ma maison. Là, c'est fermé. L'empereur n'a pas pu empêcher cette catastrophe. Tout ce qu'il fait, c'est nous taxer. C'est le moment pour nous, les marchands, de prendre le pouvoir. Salut, mademoiselle. Là, par contre, c'est la fête. Et... revanche à faire, non? Une petite revanche. Allez, on se relaxe un petit peu avec une petite partie de cartes. Donc, je vais mettre lui.
Comment ça marche déjà? Non, j'ai qu'un seul diamant. Donc, la chauve-souris. Ça, ça retourne dans mon jeu. Et voilà, c'est la fin du monde. On va faire une petite partie de cartes. C'est le moment rêvé. Ah! Donc ça, c'est moi. Mais je coûte vachement cher. Donc si je remets lui dans mon jeu, je peux jouer lui. Et je défonce la chauve-souris. Et là, ce sera pour plus tard. Encore une chose. Là, je vais frapper un grand coup. 3, allez. Eh, mais c'est gratos. Attends. Non, mais t'es mort d'avance là. C'est fini. Le niveau. On va jouer aux cartes maintenant. Oh mais pff. Tu veux quoi? Un ours? Allez hop. Un ours. C'est bon? Ouah, t'as super bien joué. Tu m'apprendras à jouer comme un pro. Salut Spyounet, y'a pas l'alerte. Elle est là. Il y a Spyounet qui drop 4 viewers. Salut, salut. Salut T-Quick. Merci pour le raid. Bonsoir. Toy Story 3, The Video Game. Et ben moi, je suis en train de faire une petite partie de cartes sur Evoland 2. En plein de fin du monde. Et on se détend. On se détend. Alors lui, il a 20 de cœur et moi j'ai 10 de cœur. Non, c'est l'inverse. Non, c'est 1 de diamant et... Voilà. Chauve-souris. Ça, c'est gratos. Et ça, ça dégage. J'ai fait aucun Toy Story. Pour l'instant. Pour l'instant, dit-il. En espérant. Non, je connais mal cette licence. J'ai maté Perturbator au Hellfest. Tu reviens du Hellfest? Ça va, pas trop la tempête? Pas trop chaud? Ah, les bonnes cartes. Ah, sur Arte. Comme les vieux. L'araignée égyptie. En Belgique, ils font des retransmissions de Werchter et de Dour. Et ça me fait tellement chier de regarder ça et de pas y être. J'ai le seum. J'ai une carte. Le champifou. Le Toy Story 1, la version la plus complète, c'est la Mega Drive. Ouais, j'ai vu la version Super NES. C'est la plus belle aussi. Si l'on en croit la rumeur, il y a quelque part un super champion de Game of Card. Il détiendrait la carte ultime. Je me demande bien qui c'est peut-être. Eh bien, c'est pas moi. Les cartes, c'est sympa quand on a de bonnes cartes. C'est parti pour les 61 cartes. Y'a que des débutants ici. Non, en plus j'ai raté plein de défis un peu partout dans le jeu. Toi, tu te la pètes un peu. Hein. Et maintenant, je t'avais battu, toi, déjà. J'avais pas. C'était mon premier combat, je crois. Bon, on va la repoutrer.
Allez, hop, toi tu dégages parce que t'as bon. Et on va placer ces deux petits. Attends, j'ai pas compris. Ah, je pensais que si ça coûtait 7 points. Attends. Là, je gagne 3 points. Ah non, d'accord. Ok. Ah, il est beaucoup plus long ce Evo Land 2. Là, j'en suis à 16 heures de jeu, je crois. Il est très très bien. Il y a quelques passages un peu relous. Où il faut garder son calme, mais sinon ça va. Et je m'en sors pas bien du tout là. Il y a un mammouth. Mais j'ai pas ces cartes. 17 heures environ. Vendre tes cartes te donne la moitié du mana. Ah oui, d'accord. Remettre en jeu me donne la moitié. Je me dis, il y a un marchand pour vendre ses cartes. Toi, tu vas te mettre ici. Ou tu vas te mettre là. Personne sur la première ligne. Un petit soldat qui pourrit. Mais non. Non. On peut remettre la carte. Non, c'est trop tard. Bon ben... Je vais perdre ce combat. Ça tombe bien, le passage que tu vas faire à Démonia, c'est le passage le plus chiant du jeu pour moi. Ah, pour Catalyst, c'est Démonia le plus chiant. Pour Pseudoïne, c'est le bosquet. Et la bibliothèque. Et pour moi, mon préféré, c'est la bibliothèque et le bosquet. Le plus chiant, c'était... Je sais plus. Je me souviens pas de passage relou. Merci pour le follow. Merci pour le follow, Tikwi. Tiens, tu as mérité cette carte. Ah ben voilà, je l'avais pas faite. Programmer Art. Bon alors toi. Ah ah, génial! C'est la troisième fois que je gagne. Je viens de commencer ma collection de Game of Cards. Certaines cartes de... Certaines cartes sont archi rares. Hé hey, toi, défie-moi à Game of Cards. Nous autres pirates, on adore les défis. Mais répète pas que je suis un pirate, hein, je suis l'incognito. Je suis prêt. J'ai le double de cœur. Je peux rien jouer, donc. Barre-toi. Barrez-vous tous. Quoi ça? Le programmeur art. Bon, toi tu coûtes 7. Merde, je pensais que j'aurais pu la jouer. Je vais avoir des cartes toutes pourries. Et j'aimais bien le passage chez les Vikings aussi. Bien ça. Et le passage shoot them up. Et le passage plateforme. Je dois y retourner, non? Donner la mana à la sylve. Ça s'embrouille dans mon esprit. Allez, c'est parti. Aïe. Ben voilà. Tu as beaucoup de chance, tu sais. Tiens, tu as mérité cette carte. Le blob. Ben voilà, j'ai battu tout le monde. Il n'y a pas un gars là.
si je veux avoir la vocation. Ah, bah je veux. Ne refuse pas une invocation. J'ai mon nez qui gratte. C'est peut-être la paix, mais non, pas du tout. C'est la fin du monde, mec. Pour sortir de chez toi. Mais c'est du caca. Attends. Défense moins 1. Non, mais non, merci. Non. Bonne promenade. Non, tu ne l'as pas donné la main. Oui, oui. Attends. Ah non, je l'avais pas donné. Non, non, c'était le passage plateforme là, avec les champignons. Le mont des. Le mont des trucs. Le mont des âmes, c'est ça? Non, le mont alpha. Je dois retourner au mont alpha. Y'a rien. Je crois que j'ai pas donné la... le truc au mont alpha. Ah, la sylve. On peut aller au forgeron, oui. Voilà. Tu fais bien de le rappeler, ça, parce que... On va aller au forgeron. Y'a quoi, ici? Des pots? Plus rien là. Le passage Bomberman était bien aussi. Le passage Chrono Trigger par contre mitigé. Le forgeron donc le forgeron. Ah, les amoureux. Si nous devons mourir alors mourons ensemble. C'est beau ce que tu dis ma chérie. Mais c'est totalement con. Les visions du prophète sur les catastrophes et la grande et le grand destructeur était vrai. Et moi qui pensais que ce n'était que des histoires pour faire peur aux enfants, le prophète voit tout. Le prophète sait tout. Je lui fais confiance pour nous guider. Et là, la bibliothèque, il n'y a rien qui change. Non, ça ne m'intéresse pas. Le forgeron est en 8 bits. J'ai perdu totalement le fil en fait. Il faut aller chez le forgeron en 8. Il faut aller chez Dalkin, ouais. Il faut aller chez Dalkin, mais j'ai envie d'aller. On va forger les armes. C'est ça le truc. Avant d'aller chez Dalkin. Parce que là, je vais à Démonia. Donc, ce sera un peu risqué d'y aller sans forger les armes. Potion, j'ai... aller au mont alpha dans cette époque. C'est pas là. C'est pas là. C'est pas là. C'est où? C'est où? C'est là? C'est là? Là. Mais non. Non, 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 non. C'est bien ici. Ici. Oui. Oui, oui, oui. C'est bien ça. Nos autres gardiens avons été découverts par les magies. Ils pensaient, ouais, tout ça on l'a vu, tout ça on l'a vu. Et on va lui donner de la mahana.
Mais ça, je l'aurai jamais, je crois. Bon, ben voilà. Maintenant, je sais que j'en ai pas assez. Maintenant, on va aller chez les forgerons en 8 bits. Ouais, j'en ai qu'un. Je pensais que j'en avais plus que ça. Ouais, c'est pour réveiller l'allié, je me souviens. Ah ouais, mais tu dois faire un choix ou alors tu dois vraiment trouver toutes les manas. J'en ai sûrement raté, donc... Peut-être qu'à démonia, enfin je sais pas, on verra bien. Direction le forgeron. Tu peux toutes les avoir. Est-ce que je vais vraiment le faire? Non, 8 bits. C'est sûr que c'est facile à rater. Je me souviens pas de coffre que j'ai raté. Je me souviens pas avoir raté un coffre. Go Genova. Là par contre j'ai plus aucun souvenir de la version 8 bits. Ah ouais, mais ça fait tellement longtemps ça. C'était il y a un mois. Le détecteur de coffre. C'est pour ça que les coffres étaient transparents. Quoi? Dans quoi? Le dragon radar. Non, le transparent c'est propre au donjon. Ok. C'était le forgeron en 8 bits. Ah ben. Ben c'est bon. Je suis en 8 bits là, non? Oh là là. Ah, je me souviens de... Je me souviens plus du tout. C'est le trou noir total. Et là, je vais dire... Ah ouais. Ah ouais, je me souviens de toi. Mais ça fait des plombes. Je sais même pas si c'était dans Evoland ou 1 ou le 2. Inutile de venir me déranger, je n'ai aucune arme à vous vendre. Voyez-vous, je ne fabrique que des armes d'exception. Et pour cela, il me faut du minerai d'Oricon. Le seul qui permette de fabriquer ces armes. Et j'en ai tellement. J'en ai tellement pas... Là, j'en ai 8. Vous allez trouver de l'oricon. Laissez-moi vous forger un objet avec ça. Que voulez-vous forger? Ah mais tout. Pour cet objet, il me faudra bien 3 unités de minerai d'oricon. Attends. J'imagine que pour l'épée, ça sera plus cher. 3, 4. Merde. J'avais fait la ceinture. Et l'armure. L'armure, ça coûte.
Oui. Allons-y. Je prends l'armure. Et voilà le travail. L'armure ultime, celle que tout aventurier rêve de trouver au... J'ai pas lu le dernier mot. Au pieu ? Je suis fier de mon œuvre. N'hésitez pas à revenir me voir si vous avez d'autres objets à forger. Eh ben, j'en ai. Donc tu peux soit attendre d'en avoir un de plus pour l'épée, ou alors faire les bottes. Oui. Mais je vais faire les bottes, je crois. On va faire les bottes. Mais non, les bottes j'ai. Il est où le minerai ? Attends. J'ai les bottes. Ah non, bottes en acier, bottes en acier. Bon, ok, on va prendre les bottes. Ah. Prenons les bobottes. Au pied du sapin. Du sapin. Confortable, solide, avec sa botte ultime, vous pourrez parcourir. Ah, au pied du sapin, il était marqué. Ok. Moi, j'ai lu au pied. Ok, et eh ben, on reviendra plus tard avec les minerais d'Oricon. Et maintenant, on peut aller à Démonia. Non. On peut aller là. Chez Dalkin. Non. Voyager dans le temps là. Hey. Ne vous inquiétez pas. Ça va. Je tiens le fil. Salut. Tu veux pas jouer aux cartes, toi? Mais si. Je suis totalement ready là. Oh, par contre. Toi, t'es costaud. Toi, t'es très costaud. Tu me fais un peu peur même. Donne un cristal à chaque tour. C'est une bonne carte. Je suis dans le caca. Attends. Mais non, mais je fais quoi? J'ai totalement compris les règles de ce jeu. Je maîtrise totalement. Aïe! Ouais, c'est ça, il lui donne un truc à chaque tour. Donc, maintenant. On va s'éclater. Mais vas-y. Un
blob. Rien que pour faire chier. Oh, traîtresse. On va faire bobo avec lui, avec elle. Toi, tu rentres. Bah, pourquoi il attaque pas? Non, là, il attaque. Je sais pas si c'est une bonne idée. Ex aequo. Ouïo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 uï
Je suivais les ordres. Je n'avais pas le choix. Tous ces morts, par ma faute. Ma faute! Si seulement, si vous aviez eu la marque de confiance de l'empereur. Comme moi. Ma médaille. Vous trouvez une médaille? Je ne la sors plus de l'armoire. Je ne la mérite pas. Partez! Attends, quoi? Cette marque de confiance de l'empereur, elle confère un certain prestige et toujours de meilleurs effets sur la cheminée. La médaille de l'empereur. On a le laissez-passer. Encore ce que... Disparaissez! Pauvre Dalkin, il a perdu la tête, on dirait. Tu penses que c'est à cause de la guerre, Sandy? Prêt pour une partie de cartes? Allez, go. 40 points de vie. Mais jamais. 40 HP. Mais jamais 40 HP. Vas-y, casse-toi, Leslie. Toi aussi, la chauve-souris. Allez, on y croit à fond. On a peut-être les bonnes cartes. Et là, t'as des cartes complètement pétées. La carte du boss final. Moi, j'ai la carte du développeur. Je suis invincible. C'est trop cher. Trop cher. Tiens, voilà. Alors. Toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Et toi, tu te casses toi. 17. J'ai l'avantage. Mais, il y a ça. Et il y a ça. Ça, ça va. Ah ouais, mais là... Il joue sa propre carte. Moi aussi, j'ai ma propre carte. Allez, go. On fonce. On fonce dans le tas. Attends. Sur un malentendu, ça peut passer. Là, je crois que ça va passer. Ça a l'air, mais... Ça a l'air, mais... J'aimerais bien placer ça derrière moi. Et là, ce serait... Pas terrible. Ce serait pas terrible. Ok. Ah bah si. Ah bah. Oh non, j'ai encore perdu. Tiens, tu as mérité cette carte. Ben voilà. GG. L'empereur Lothair. Ah bah voilà. Je suis sûr que je peux battre tout le monde. Ah non, mais là, c'est passé comme un rien. Bien. Qui veut jouer? Petite partie. J'ai envie de trouver des joueurs. Toi, tu t'as pas envie. Non, mais eux, c'est des rats de bibliothèque. C'est pas leur truc. Toi ? Ah ah ! Je suis prêt. Les plus difficiles, ça va être les gardes. Hein. 40 points de vie. Mais bon, moi, j'aime pas ces cartes. Elles sont toutes pourries. Ouais, vas-y, attaque. Attaque, vas-y, vas-y. Attends, tu vas voir. Et ça, qu'est-ce que c'est? Bon, là, on va y aller. On y va ou pas? 2, 2, 1, trop cher. Blob contre blob. Ouch.
peut pas attaquer, lui. Si. Bah non. Il a 0. Je crois que je vais le mettre là parce qu'on sait jamais, il va mettre un truc complètement pété derrière. Non, là j'ai fait une bêtise. Ceux-là, s'ils peuvent pas attaquer. Ils peuvent pas attaquer, mais ils peuvent servir de mur pour prendre des coups. Il y a une icône épée, arbalète, enfin, épée, flèche et hache. Okay, 0 d'attaque. Bouclier humain. C'est pas mal ça. Y'a plus de place. Tu as mérité cette carte. Vous avez obtenu la force spéciale verte. Peut-être une carte de soin. Je veux devenir un pro. Ah, c'est pas difficile. C'est pas le Gwent. Là, le Gwent, ça c'est autre chose. Eh ben. Maintenant. On va retourner dans le... je sais plus quel temps, dans le passé, en mode 8 bits, à Démonia, et tout devrait bien se passer. Plus qu'une cinquantaine de cartes. Ah mais si on peut les refaire après, peut-être que un jour, mais pas aujourd'hui. Hein. Non, non, peut-être qu'un jour. J'ai faim! Je vais aller chercher un truc à grailler après. Non, pas là. Qu'est-ce qu'il me reste dans le frigo? Des chocoas. Ah, j'allais me chercher des chocoas. Oh oui! Je ne peux pas accepter votre alliance, j'ai des ordres. Ah ouais?
Ah ouais? Et ça, c'est quoi? C'est de la merde peut-être? Mais vous avez une médaille de l'empereur. C'est une marque de confiance absolue. Ce qui veut dire que l'empereur souhaite que je fasse cause commune avec vous. Trois petits points. Bien, je n'ai pas le choix. Les ordres sont les ordres. Vous aurez toute l'aide que je serai en mesure de vous fournir. Que cette phrase est compliquée. Avec l'aide de Dalkin, vous allez pouvoir recruter et commander une armée. Empêcher Magus d'atteindre Démonia. Et là... Tu te couches pas tant que tu n'as pas toutes les cartes. Toutes les mahanes, tous les oricons et toutes les étoiles. Non, attention! Une patrouille de l'armée de Magus. Nous devons les éliminer rapidement, sans qu'ils donnent l'alerte. Méga clinque, si j'en crois tes amis, tu es un stratège de talent. Je peux te confier le contrôle de notre future armée sans tout savoir de tes capacités. Ok, je te laisse le commandement. Ce serait une bonne façon de me montrer ce dont tu es capable. À l'attaque! Vous avez obtenu le mode tactical RPG. Oh. C'est pas du tout ce à quoi je pensais. Alors. J'ai faim. Je reviens. Profitez de cette musique. 2 secondes. Je prépare ma stratégie, ouais. Je prépare des biscuits au chocolat. Des chocoas. J'ai besoin de sucre. Tactical RPG, mais jamais, j'ai jamais joué à ce style de jeu. Bien, totale découverte du Tactical RPG. Alors, on a Velvet, Fina, Menos, Dalkin, Sandy. Alors, je choisis Sandy. Je peux aller sur les cases bleues, j'imagine. Allez, go. Allez. Attendre. Annuler. Attendre. ça va être la galère totale. Annuler. Non. Non. Attends. Voilà. Voilà. Et tu attends. Dalkin. Voilà. Et t'attends. Bête. Voilà. On avance. La troupe avance. Autour de l'ennemi. What? Loin. Ah la vache. On n'est pas sorti. Non, je veux changer de perso. Je peux changer de perso ou pas? Ok.
attaque lui, là. L'archer. Menos. Il va... On va se mettre là. Non. Menos, il... Ah, Menos, il fait quoi? On va se mettre ici. On va se mettre derrière lui. Et il va attaquer la recrue. Bon. Les plus faibles. Allez les filles. On compte sur vous. Ah, mais tu peux attaquer de loin. Donc. Bon. Autour de l'ennemi. J'ai bien fait d'aller chercher des potions. Oh, la contre-attaque. Ok, tout le monde contre-attaque. C'est facile! Non, je déconne. Attaquer! Ah, mais il y a lui! Il est pas avec nous, lui! Attends, tu peux prendre n'importe. Bah non, tu peux pas prendre n'importe lequel. Bon, allez, faut attaquer. On attaque la recrue, le soldat. Parfait! Quelle victoire éclatante! Mégaclin, que tu as l'étoffe d'un grand commandant. Tu sembles décidément à avoir de nombreux talents, j'arrive plus à parler tellement je suis ébahi par de telles prouesses. Continuons à avancer pour trouver un endroit stratégique où établir notre campement. Ouais, mais c'est le début là. Je vais devenir un pro de ce style de jeu. Ah bah ça va, je peux aller chercher des potions entre chaque combat. Le poste avancé. Parfait. Ce doit être le campement de la patrouille que nous avons croisée. Installons-nous ici pour l'instant. Écoute-moi bien, Mega Clank. Pour mener une guerre, il nous faut des troupes. Je peux en faire venir depuis l'Empire. Plus nous remporterons de victoires, plus les troupes seront motivées à l'idée de rallier notre cause. Va voir ce que tu peux faire depuis la tente de commandement. Puis rejoins-moi pour sécuriser la zone. On peut pas choisir les potions pendant les combats. Je sais pas, j'ai pas fait attention. On peut pas choisir les items. Bon bah les potions ne serviront donc à rien. Bah, qu'est-ce que tu fais là? Il faut aller dans la tente de campement. En fait, je m'attendais à un jeu de stratégie comme dans FF7. La petite RTS. Bienvenue dans la tente de commandement. Eh ben, go. Recruter une nouvelle recrue pour 100. Ouais. Une seule. Une seule. 125, 300, 300, 700. Ouais, j'aurais peut-être dû attendre. Oh non, me dis pas qu'il faut farmer. Faut farmer des combats. Parfait, nous sommes désormais un peu plus puissants. Continuons à avancer. Un peu plus puissant. Là, en général, je save entre chaque combat. Merde, j'ai pas lu. Monseigneur Magus, les troupes de l'Empire ont débarqué sur nos côtes. Déjà? Combien? C'est impossible. Et pourtant, ils nous attaquent. Ce doit être ce satané colonel Dalkin. S'il pense pouvoir contrecarrer mes plans avec quelques soldats, Nevis, il se trompe lourdement.
Tout à fait, monseigneur. Il se trompe. Seul le colonel Dalkin risque de poser problème. Débarrassez-vous de lui et son armée s'effondrera comme un château de cartes. Moi ? Bien sûr, vous. Pourquoi croyez-vous que je vous parle de tout ça ? Je pensais que cela vous faisait plaisir d'être écouté, monseigneur. C'est une question de tactique militaire. C'est censé être votre spécialité, non ? Alors c'est à vous de mener ces opérations. Je vois. Et je peux refuser ? Au combat ! Il n'a pas l'air très... très dangereux. Il ne me fait pas peur. Là, ça devient sérieux. Mieux vaut ne pas foncer tête baissée. Passons en revue les compétences de chacun. Je peux vous soigner si vous êtes blessé. Je peux repousser de nombreux ennemis en un coup. Je peux geler les ennemis pour éviter qu'ils ne contre-attaquent. Je peux vous protéger si vous restez près de moi. Et Sandy ? Comme d'habitude, il avance, il cogne. C'est vrai que ça a plutôt bien marché jusqu'ici. Et la recrue, plus des pieds. Parfait, en avant. Oh la vache, il y a du monde. Attends, Choco. Wow. On va les défoncer, les mecs. Charge. Attaquer. J'attaque. Lui. Et ben moi je vais aller là. Voilà. Et j'attends. Ça fait pas peur. Tiens. La contre-attaque. Allez, rapprochez-vous que je vous gèle. Ça sert à rien de les geler. Pour l'instant. Elle s'est pas attaquée, non. Mais si. Ah, je suis obligé de lancer la glace. Eh ben, lançons la glace. Brisons la glace. C'est très bien. J'ai envie d'aller là, mais il est trop loin. C'est peut-être un peu trop, mais... Allez. Attends. Non ! Non, 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 où tu vas ? Je te mets là. Et tu punches ! Ok, là c'est mieux. Ah oui, il y a les... Il y a deux archers là. Qu'est-ce que je fais ? Eh ben je le défonce. Non. Je sais pas quoi faire. Je vais aller là. Alors, on y va doucement, on attaque. Eh ben moi je vais attaquer lui. Ah, je peux attaquer à distance, ça va. Non, mais j'ai jamais fait un jeu dans ce style. Tactico RPG. Aïe aïe aïe. Non. Je suis blessé, continuez sans moi. Oh non, merde. Ok. Aïe aïe aïe, ça va pas du tout. On s'en prend plein la gueule. Bah là, combat. Hein. Ouh, 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 ouh.
Mais ça va être la merde, là. La recrue, elle va se faire défoncer sa race. On va la mettre là. Oh, pas mal. Pas mal du tout. Bravo. Allez, adieu. Attention, Dalkin. C'est quoi tous ces points qui se rajoutent là? Je me sacrifie pour l'équipe. Tous sur le chef. Protéger aussi, je sais. Si je me mets là, je fais la glace. Ah, ça va pas, c'est bon. Bon, allez, je le fais quand même. Mal, c'est fini. Aïe, aïe, aïe. Il n'y a plus de lieutenant. Bon, c'est bon, les archers. Abandonnez. Je sais pas où me mettre. C'est des points de confiance. Attaque! Oh! C'est la victoire. Je commence à reprendre espoir. Grâce à cette victoire, nous allons pouvoir monter un campement, fortifié digne d'accueillir notre état-major. On va pas rester dans ce camp tout seul trop longtemps, j'espère. J'ai besoin de liberté, moi. Je sens que ça va être long. Rassurez-vous, mademoiselle Fina. Nous ne resterons pas ici, c'est à nous de prendre le commandement des troupes en mouvement. J'ai d'ailleurs étudié la carte de l'île de Démonia. Plusieurs chemins mènent à la capitale. La voie du sud est la plus rapide, mais le gros des forces mobiles des rebelles s'y trouve. La voie du nord est plus longue, mais plus praticable. L'ennemi a envoyé ses machines de siège par cette route. À nous de nous montrer pertinents dans nos choix. On va peut-être passer par le nord, du coup. Laissons Sundy décider. Il sait toujours quoi faire, n'est-ce pas? J'ai pas eu le choix. Tu as raison, on verra bien sur place. Allons-y. J'ai pas eu le choix. Donc le nord, hein. Dans le nord. Vu que je suis pas un fin connaisseur de ce style de jeu. On va prendre un gros. Carrément. Ça c'est un soldat. Et ça c'est. Ça va. On va peut-être prendre un archer. Du coup. Allez.
continue. Campement suivant. Ouais, mais non, je vais le garder. On va garder un peu de sous-sous. Il reste beaucoup de matériel militaire. On dirait qu'ils ont fui dans la précipitation. Ça ne m'étonne pas, ils ont compris qui c'était le patron. Mais de là à partir sans combattre, je pense qu'ils ont dû prendre leur chef. Perdre leur chef, qui a sûrement fui. Quand cela arrive, impossible de garder les troupes en poste. Parfait, si notre seule présence suffit à faire fuir les officiers supérieurs de l'Empire, il suffit de foncer. Je vois une tente de commandement là-bas. Profitons-en pour recruter des troupes. Ah bah tiens. Par contre, comment on save ? Bienvenue dans la tente de commandement. On peut pas sauvegarder. Y'a pas de point de sauvegarde. Par là. Maintenant ! Une embuscade ! Chargé ! Eh oui. Et voilà. Oh là. Je crois que nous sommes fixés. Voilà ce qui a fait fuir nos ennemis. On va devoir filer, nous aussi. Cela me semble compromis pour l'instant. Ouais, on va peut-être se barrer. Laissez-moi leur parler. Ce sont des démons. Ils ne feront aucun mal si je parviens à leur expliquer la situation. Suisse aux envahisseurs! Du calme, déposez les armes, je suis Meno, ce fils du roi Artus. Je suis venu libérer Démonia. Minos ? Celui qui a trahi son propre père en amenant des humains ? Et qui pactise avec un colonel de l'Empire ? À mort les traîtres ! C'est mal barré. Il va être difficile de les convaincre, Menos. The Freshmaker. Fallait que ça sorte. Mais je ne veux pas les combattre. Nous n'avons pas le choix. C'est nous ou eux. Pardonnez-moi, mes chers compatriotes. J'ai une mission à remplir. Mais vous êtes combien, là, les gars, sans déconner? Vous êtes fous? On va crever? Attaque! La manette qui commence à faire des conneries. Attends. C'est un pote. C'est un pote. Attaque-lui. Toi. On va faire défoncer. Attaque-lui. Attention. Là, je me sens plus. Toi, tu restes là. Je peux faire une attaque. Ok. Et enfin. Voilà. Oh merde. Ouch. Stratégie est mauvaise. Bon, moi j'ai pas le choix. Attaquez. Pas de contre-attaque. Toi. Ah, je pensais que ça allait faire plus de... Non. Bon,
Protéger. C'est vrai que j'essaie de protéger. Oh non, le 1 HP. Jolie menace. À bout portant. Moi je finis ça et j'arrive. Oui, c'est vrai que la soigneuse au milieu des ennemis, c'est pas une bonne idée. Mais j'ai pas encore essayé la charge. Aïe aïe aïe, la charge. Définie. Elle est super forte finalement. Petit slash ici. Ah, mais c'est comme ça que ça marche, le slash. Merde, qu'est-ce que j'ai foutu? Pourquoi j'ai fait attendre? Oh merde. Les plus forts qui restent en retrait. Travail d'équipe. Cher à canon. Et voilà, c'est terminé. C'était difficile. La guerre est toujours une horreur. Nous voilà obligés de combattre ceux que nous entendons protéger. Mon envoyé désolé, Seigneur Menos. Je compatis. Courage, Mentos. On va arrêter Magus et on sauvera ton peuple. Quoi qu'il en soit, nous avons désormais deux ennemis. Il va falloir se montrer d'autant plus prudent. J'espère pouvoir sauver plus des miens que non. Sinon, à quoi bon? Arrêtez de parler, on y va, on joue. Il y a quoi de bon en tactical RPG à part Advance Wars? Donc là, il y a deux chemins. Le nord, c'est chaud, mais c'est court. Le sud, c'est long, mais c'est moins chaud. On va recruter peut-être. Recrutons. C'est tout? Combien? 505?
pourquoi, parce qu'on a combattu des démons et du coup ça vaut rien. Le meilleur auquel j'ai joué, c'est Final Fantasy Tactics sur PS1. Mais c'est pas le même style. Non mais vraiment style 2D comme ça. Ah ouais, c'est, je sais, c'est en 3D isométrique. Quoi? Ah, t'es obligé d'en recruter un avant de les transformer. Ah, d'accord. Ah bah oui, vu que j'ai qu'un seul archer. Voilà, et après faut le former. Eh ben, on va attendre un peu. On va attendre un peu. Moi, je veux un gros. Oh là là. Je veux un cheval. On va acheter un cheval. La rivière Kawaï. Quel manque de respect, quoi. Lieutenant, regardez-moi quand je vous parle. La chanson de Priscilla, forme-moi, déforme-moi. Je connais pas. Je connais pas cette chanson. Oui. Vous devez à tout prix protéger ce pont. Quel pont? Comment cela, quel pont? Mais celui qui est derrière vous, enfin! Ah oui, il y a bien un pont. Voilà, et donc vous devez le défendre. De qui? Eh bien, de toute personne qui voudrait le prendre. Prendre le pont. Petite référence, hein. Okay. Qui a la ref? Prendre le pont. Mais pour le mettre où? Bon, on va faire plus simple. Vous ne quittez pas ce pont des yeux. Et si quelqu'un approche, vous le mettez en joue, sans sommation. C'est bon? J'ai été clair cette fois, je pense. C'est pas fou. Ouais, bien joué. Bien joué. En joue! Référence à Monty Python et Kaamelott. Sommation? L'ennemi semble bien préparé à défendre ce pont. Je ne sais pas si une attaque frontale est la meilleure des stratégies. Et si on utilisait la ruse? Qu'est-ce donc que cela? C'est une façon de gagner sans combattre. Encore une ref? Mais stop! Nous autres démons appelons cela de la lâcheté. J'imagine que c'est une question de point de vue. Réfléchir un peu avant de foncer ne peut pas faire de mal. Référence à Nahal Buck. Sandy pense à recruter de nouvelles troupes dans notre armée. Nous en aurons certainement besoin. Bah, c'est fait déjà. Il attend un coffre. T'as rien du tout. Il n'y a pas de coffre dans les campements. Salut les gars! On va s'éclater à mort. Sandy, tu es sûr de vouloir lancer une attaque frontale? Attends. Non? C'est courageux de ta part, mais franchement, téméraire. Enfin, c'est toi qui décides. On doit passer par un par derrière. Pas choisir de perso. Attends, c'était bien le nord qui était plus difficile. Il n'y a pas d'autre chemin, Magus, Menos, Magus, Malik, Maltik. Lieutenant, nous allons faire les sièges de Démonia. Il nous faut à tout prix conserver ces catapultes en parfait état. Je compte sur vous pour les protéger pendant le trajet. Monseigneur, vous êtes un grand magicien. Oui, c'est exact. Vous devez donc avoir d'immenses pouvoirs, des reliques surpuissantes, non?
Oui, oui, bien entendu, mais où voulez-vous en venir, juste? Qu'est-ce que tu veux? Alors pourquoi nous laisser seuls à pousser ces énormes machines? Vous pourriez les faire voler, les téléporter, ou les protéger avec un bouclier magique, non? C'est l'heure, je dois vous laisser. Bonne chance! Et la moindre égratignure sur les catapultes sera retenue sur votre sol. Soldats, en avant! Mais... Lieutenant, démonia de ce côté. Vous en êtes certain? Bon bah d'accord. Demi-tour! Mais non, pas moi, vous! Non, pas vous, moi! Enfin, le contraire. Bon, reprenons depuis le début. C'est le sud qui est le plus dur. Mais c'est terrible! Ces machines vont faire des centaines de victimes! Effectivement, la guerre risque de tourner court si ces machines arrivent à Demonia. Il faut intervenir. Très bien. Rien ne sert de continuer si ces engins de la mort parviennent à leur fin. Réduisons-les en miettes! Ok, donc là c'est le passage le plus simple, mais le plus long. Et voici les deux nouvelles recrues. Attaque surprise. On va y aller tout doux. Par contre, vous, je vais les mettre devant. Toi, tu vas te mettre là. Et c'est parti. Catapulte. Oh. Ouais, je pensais à ça aussi, on va alterner les deux. Après on ira en bas. On ira au tout sud. Bien, combattons à présent avec notre ami l'archer qui va attaquer. Pas attendre con de... Mais j'y vais. Je suis super fort. On va essayer un truc. Protéger. Protéger. Je peux pas attaquer. Je suis tellement sûr de ce que je suis en train de faire. Ah. Velvet est mal barré. Hein. On va faire reculer Velvet. Derrière Fina. Peut-être pas. On va soigner Ménos. Oh là 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 là, mais Ménos! Le décès de Ménos! Mais c'est n'importe quoi! Bon, on va rester groupie. Glace! Putain, c'est bien. Putain, c'est très bien. Putain, c'est très bien aussi. Soigner la recul. Soigner Velvet. On va peut-être soigner Velvet. On va soigner Velvet. Quoi que non. Non, non, on attaque. Je me
ramasser un coup de catapulte là. L'archer est très bien passé. Est perdu d'avance. Je vais me faire défoncer. Je suis obligé de m'approcher. Comment ça marche ça? Ouais. Elle peut pas attaquer à distance, elle. Attaquer celui dans le sol. Parce qu'il va, il va contrecarrer. Donc. Qu'est-ce que je fais? Oh bah ça va les catapultes. Bon, par contre. C'est quoi ce petit bip là? J'entends un bip. J'imagine que c'est bien ça. Ah ouais, ah ouais. Ça va être pas bon. Ah oui, d'accord, tu te prends tout. D'accord, c'est comme ça que ça marche. Attaque. Non, c'est bon. Ah
Pas de soucis. Touche dessus. Attends, on va pas rater quand même. Ça va. Ça va. Facile. C'est ma vie, d'accord. J'étais sur le point de mourir. C'était Sundy qui bipait. On a détruit toutes les catapultes. Malheureusement, je ne pense pas que ce soit les seules dont dispose Magus. Il faut continuer sur cette route et les rattraper. Sinon, ils s'en serviront pour s'emparer de Démonia. Tu vois sa bip ? Pourquoi ça bip ? Elle est où ma vie d'ailleurs ? Oh là là là, c'est quoi ça? Je savais pas qu'il y avait le dragon radar. Une recrue. 72,6%. Bah alors on peut recruter ou quoi? Je veux recruter. Ah oui, mais recrute. Il te reste 753 et maintenant. Attends. Non. Ah oui, parce que j'ai pas de... Oui, d'accord, il faut transformer d'abord en soldat. Merde, j'aurais pas dû prendre une nouvelle recrue. Chier. Bon, ok, d'accord. J'avais pas vu ça. J'ai mal joué. J'avais pas compris. Et là, ma vie est revenue à fond. Ok. Bon, on continue. Eh, mais attends. Et si je reviens là, parce qu'on va tous les faire, hein, évidemment. La rivière Kawaii. Peut-être plus tard. Bah non, on s'en fout. Bah si. On aura plus de recrues. Qu'est-ce donc ? Coffre caché avec. J'aurais dû voir le. J'aurais dû essayer le dragon radar. Dalkin 17e seulement. Bien.